Je vous salue, frères et sœurs. Aujourd'hui, 3 mai, la Sainte Église célèbre Saint Philippe et Saint Jacques le Mineur, apôtres au 1er siècle de l'Église. Saint Philippe était de Bethsaïde en Galilée, patrie de Saint Pierre et de Saint André. Le Sauveur, dès les premiers jours de sa vie publique, le rencontra et lui dit « Suis-moi ». Après la Pentecôte, il alla prêcher dans les immenses contrées de l'Asie supérieure. Il évangélisa longtemps les Scythes, puis les Galates, les Phrygiens, et c'est dans la ville d'Hierapolis, en Phrygie, qu'il confirma sa prédication par le témoignage de son sang. Un jour que le peuple offrait de l'encens à un gros serpent qu'il regardait comme une de ses divinités principales, Philippe, saisi de compassion, se jette à terre et supplie Dieu de délivrer ses malheureux de la tyrannie du serpent infernal. L'affreuse bête expire aussitôt. Le peuple se montrait disposé à accepter la doctrine d'un homme qui opérait de telles merveilles. Mais les magistrats et les pontifes s'emparèrent de l'apôtre, le bâtirent de verges, le clouèrent à une croix et l'accablèrent de pierres. À sa mort, la terre trembla et plusieurs édifices s'écroulèrent. Saint Jacques, appelé le mineur pour le distinguer de Jacques le majeur, frère de Saint Jean, était né à Cana, en Galilée. Il était de la tribu de Judas et cousin de notre Seigneur selon la chair. La tradition affirme qu'il ressemblait au Sauveur et que les fidèles aimaient à regarder en lui une vivante image de leur maître remonté dans le ciel. Jacques eut un frère, apôtre comme lui, nommé Jude, et ses deux autres frères, Joseph et Simon, furent disciples de Jésus. Après la Pentecôte, quand les apôtres se partagèrent le monde, Jacques se fixa à Jérusalem pour la conversion spéciale des Juifs. Son autorité était très grande dans l'Église primitive, et au Concile de Jérusalem, c'est lui qui, le premier après Saint-Pierre, prit la parole. Il nous reste de lui une belle épître. Les conversions nombreuses et éclatantes opérées par son ministère lui suscitèrent des ennemis. Les princes des Juifs le firent monter sur la terrasse du temple et lui dirent « Juste, nous avons confiance en toi, parle et dis-nous la vérité sur Jésus. » Le saint apôtre s'écria « Pourquoi m'interrogez-vous sur le Christ ? Il siège dans les cieux à la droite de la majesté divine, et un jour, il reviendra sur les nuées du ciel. » La foule approuvait ses paroles, mais les chefs, jaloux, précipitèrent le vieillard du haut en bas. Brisé dans sa chute, le martyr trouve encore la force de se mettre à genoux et de prier Dieu pour ses bourreaux. En répétant la parole du Sauveur, « Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un foulon les tendit mort d'un coup de levier sur la tête. Voilà mes frères et sœurs, aujourd'hui 3 mai, nous célébrons ces deux témoins de la foi, ces deux témoins de l'Évangile. Nous souhaitons une très belle fête patronale à tous ceux et celles qui sont sous le patronyme de Saint Philippe et de Saint Jacques le Mineur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vivez à l'instar de vos saints patrons.